Bonjour François Morel. Bonjour Ali. La seule actualité tangible, si vous prenez la peine de sortir de chez vous, si vous en avez le droit, si vous avez signé votre attestation, la seule véritable nouvelle, celle qu'on ne peut pas contredire, celle qui ne fera pas débat, qui ne fera l'objet d'aucune polémique, c'est que les feuilles tombent. C'est que les feuilles sont tombées, c'est qu'on est en automne et que bientôt ce sera l'hiver. Pourquoi les feuilles tombent à l'automne ? Parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire, parce qu'elles en ont assez, parce qu'elles ont bien vécu. Elles sont nées au printemps, elles ont passé un bel été, c'est pour elles le moment de lâcher prise. « Que voulez-vous ?» se disent-elles, mélancoliques et résignées. « On a fait notre temps. » Et puis, elles s'aperçoivent bien qu'elles n'ont plus la même vigueur, la même force, la même santé. Elles ne sont plus les mêmes. Elles n'ont plus la verdeur de leur belle saison. Imperceptiblement, elles ont changé d'aspect, de nature, de couleur. Elles deviennent jaunes, rouges, ocre, orange, marron, blond vénitien. « Que voulez-vous ?» se répète-t-elle dans un sourire triste, comme pour se convaincre, se persuader que leur finitude pourrait pour d'autres être une chance à saisir. Place aux jeunes. Tu vois, je n'ai pas oublié. Et elles tombent, subrepticement, incognito, dans le secret de leur peine, ou par grand vent. Elles tombent sans un cri, comme elles ont vécu, sans un mot, sans larmes, sans sanglots, sans drame. Oh, elles ne souffrent même pas. Comme elles tombent bien dans ce trajet si court de la branche à la terre. Elles se détachent naturellement de la vie. Elles tombent, comme on tombe de fatigue, comme on tombe de sommeil, comme après les jours de splendeur, on tombe de haut. Et l'arbre, lui, reste impassible, impérieux, dans son dépouillement orgueilleux, dans son dénuement dédaigneux. Il sait bien que si les feuilles sont mortes, c'est pour lui, uniquement pour lui, afin que lui, Seigneur et Maître, puisse continuer à dominer, à perdurer. Que voulez-vous ? C'est leur destin, leur karma. Comme des premiers ministres, les feuilles sont les fusibles de l'être, du marronnier, du châtaignier. Elles sautent en vol dès que la situation devient critique au service de l'arbre, intouchable, souverain, présidentiel. Les feuilles sont des guerriers qui tombent pour la patrie. Elles meurent pour que l'arbre demeure. Elles périssent pour que l'arbre persiste. Bien sûr, il y aura un long hiver, la froidure, le gel, la neige, des atteintes de toutes sortes. Mais l'arbre, phénix végétal, sortira de sa torpeur hivernale et bientôt reverdira. Le feuillage des cyprès, les aiguilles des ifs qui n'ont pas le même sens du sacrifice, regardent cette immolation avec la plus vive circonspection. Forcément, ça ne laisse personne indifférent, puisque c'est la principale information que l'on peut vérifier si on met le nez dehors, si on en a le droit, si on a signé son attestation. Les feuilles tombent, les feuilles sont tombées, c'est vraiment l'automne. Merci François Morel.